Yo les frérots, c'est Tuto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on va vous présenter une nouvelle voiture sur la chaîne. Une voiture qui nous a été ramenée par le frérot FRK. Donc n'hésitez pas les frérots, allez vous abonner à sa chaîne et à ses réseaux. Tu veux qu'on mette quoi? Ton Insta aussi? J'ai Insta, Snap. Snap, Twitter, YouTube. Et YouTube. Exactement. Surtout YouTube, c'est surtout plus... YouTube, ouais. Ok, allez vous abonner. Je vais plus aller sur YouTube, là. Ouais. Instagram, j'y suis, mais je vais le lancer... petit à petit, tu vois. Et ouais, Snap, beaucoup Snap et YouTube. Et du coup, sur YouTube, tu vas faire des présentations de quad, de moto, tout ouais, ça, c'est voilà, ça en fait, tout ce qui est véhicule. Je vais faire ça, mais je vais faire des choses, tu vois, vraiment à ma façon pour éviter de pas faire un copier-coller avec les autres YouTubeurs. Ouais, ouais, pour le fun. Un truc, ouais, pour moi, fun. J'ai toujours voulu le faire, pourquoi pas, tu vois. Ok. Bah, les frérots, allez vous abonner à sa chaîne. Vous avez tous les liens dans la description, les frérots. Et donc, aujourd'hui, il nous a ramené FRK une voiture de fou. Comme vous voyez. Une Nissan GTR les frérots, c'est une dinguerie. En plus ça c'est vraiment une de mes vidéos coup de cœur. Et en plus pour la petite anecdote en fait, comment on s'est parlé pour faire la vidéo avec FRK, c'est sur Snap, j'avais mis une story par rapport à GTR en fait. Je jouais sur GTR avec la Nissan GTR justement et je disais que c'était ma préférée. Et j'ai dit que j'aimerais bien l'avoir en vrai. Et lui du coup il m'a dit, eh ben je peux te la ramener si en vrai. Je te la ramène et je... Regarde. Et voilà, il l'a ramené, il a tenu parole, on fait ça proprement en plus les frérots. Magnifique la voiture. Excusez-moi pour le son, s'il y a un peu de vent, on fait au mieux les frérots. En plus j'adore la couleur orange. En plus orange c'est ma couleur préférée, même je suis habillé en orange les frérots. Ah, on a tout, même au niveau des freins, tout est orange les frérots. Du coup la voiture, est-ce qu'elle est, elle est d'origine pour le moment? En fait, ouais, elle est d'origine. Elle a juste tous les filtres sport. Et d'origine, c'est un véhicule, je crois, qui doit sortir 530 chevaux, si je me rappelle bien. Ouais. Et là, du coup, au passage au banc, quand on l'a passé, elle a sorti 600. Pourtant, 600. Elle est d'origine. Ça arrive. C'est ouf. Ouais, ça arrive sur des véhicules. Ça arrive surtout sur les GTR. Et ouais, à part ouais, les filtres sport, les filtres sport, dump, tu sais, les. Comment ça s'appelle, la dump pipe, là. Ouais. Ça qui a été modifié. Mais sinon, ouais. Tout est d'origine. La peinture n'est pas d'origine. La peinture n'est pas d'origine. La peinture n'est pas d'origine. D'origine, elle est de quelle couleur? Elle est noire. Ouais. Elle est noire, cette peinture. Et bah, franchement, je la préfère largement comme ouais, ça. Moi aussi. Ouais. Franchement, c'est comme elle est là, franchement, c'est vraiment une très très belle couleur. Franchement, ouais. Pas mal. Et elle est de quelle année cette voiture du coup? 2012. 2012. Ouais, 2012. Ouais, du coup, c'est pas les dingues, mais quand même, elle est ouf. Bah, c'est des véhicules, tu vois, même si. Elles prennent de l'âge, elles resteront toujours belles. Ça, ouais, c'est un, on dirait que c'est intemporel en fait. C'est, on dirait qu'elle a été faite il y a pas longtemps. Exactement. C'est ouf. Surtout les Japonais, c'est des très très bonnes voitures. Ouais. GTR. Ouais. C'est GTR. GTR. Du coup, on a le petit logo GTR juste ici, les frérots. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'arrière avec les phares ouais, comme ça. Super joli. Ouais. Le cul est même magnifique. Sur les anciennes, ouais. Hein, ils ont toujours gardé ses feux. C'est ça qui est beau. Les feux, ils varient selon les générations de GTR. Je sais pas, je pense qu'ils font plus du fondu, tu vois. Ouais. Ils essayent de. Ils changent pas en fait. Ils essayent de pas trop changer, mais je sais que sur la dernière, c'est toujours les mêmes feux, mais un peu plus fondu, tu vois. Mais bon, tu vois, elle parle d'elle-même. Hein. Ouais, franchement, ouais. Elle pète. C'est quoi la taille des jantes, tu sais, à peu près? Je crois que c'est du 20 ou du 21. 20 ou 21. Je me trompe pas. Mais elles sont magnifiques. Même les jantes, franchement, elles ont de la gueule. Ouais, elles sont super belles. Après, peut-être qu'en noir, ça aurait pu se péter un peu plus. Je pense. Mais déjà, là, c'est très bien comme ça. Les gros disques, en plus, là. Ouais, c'est énorme. Ça freine bien, ça? Ouais, ouais, ça freine très, très bien. Les freins aussi, d'origine, tout ouais. Après, il y en a, ils disent que d'origine, ça freine pas top, top. Après peut-être ouais, ça dépend. Ouais, faut voir, après ça dépend ce que eux ils ont conduit aussi. Ouais. Après, les mecs souvent qui conduisent ce genre de véhicules, ils conduisent pas mal de choses. Ouais. Donc moi je trouve que ça freine très très bien, après ça va quoi. Ok, carré. Tu connais un petit peu les Newton mètres de couple sur cette non, voiture? Non, du tout. Bon, après déjà le nombre de chevaux c'est très intéressant à savoir déjà. Déjà ouais. Mais... On sait qu'elle envoie déjà. Et après on va faire le petit test. Déjà de ce que j'ai pu voir quand t'es arrivé. Elle envoie de ouf. Ça envoie très très fort quand même. La ligne elle est aussi d'origine. Ouais.
Et bah d'origine, franchement, je suis étonné, je pensais pas que ça pèterait autant, mais ça pète déjà bien. Du coup, la voiture, en termes de kilomètres, tu m'as dit à peu près 100 000, presque 100 000. Elle a presque 100 000, ouais, je crois. Donc ça va, c'est pas énorme, franchement, pour une voiture comme ça, ça peut tenir bien plus longtemps en plus. Bah, surtout qu'elle est bien, tu vois, bien entretenue. Je vois ça. Pour ce genre de véhicule qui a pratiquement 100 000, c'est un V6. V6, pardon, excuse-moi. C'est un V6. V6. Ouais. Voici un petit peu l'intérieur sous le capot, ce qu'elle a. Voilà le moteur, les frérots. C'est un gros bébé le moteur aussi. Ouais, c'est énorme. En plus il est très beau le moteur de la façon qu'ils l'ont monté. C'est vrai. Vous l'avez eu à combien de bornes à peu près? On l'avait pas loin des 39, je crois. 39. Ah ouais, ça va, vous l'avez eu toute jeune. Ouais, un bon petit bébé. Hein. Ouais. Bah là on a refait la peinture histoire qu'elle. Mais ouais, c'est vrai, la peinture c'est incroyable, ça change tout. Parce qu'en noir, ça doit être joli c'est aussi, une mais. Voiture, ouais. Je trouve que c'est plus une couleur, en tout cas moi, qui me correspondrait comme bien ça. Sûr. Et moi aussi. Et ça te sort de la simplicité c'est un mieux, peu. En fait, c'est plus un attrape-œil, tu vois. C'est ouais. Vraiment, les gens, ils attrapent pas. C'est clair, c'est clair. Au niveau du prix, tu sais à peu près combien ça vaut? Bon, après, là, elle a pris des bandes depuis que tu l'as pris. Ouais, mais ça se vend encore 70, hein. 60, 70. Je pense. Au même prix que tu l'as acheté à peu près? Non, on l'a acheté un peu plus cher. Ça décote peu. Après, ouais, ça décote vraiment très très peu comme véhicule. Mais après, il y en a dans les 50, 58, mais ça va être les modèles 2009 avec la phase 1. Ouais. Les feux sont pas du tout pareils, on n'a pas les aides à l'avant. Ouais. Et pour moi, c'est celle qui sort le mieux. La Nismo aussi est très très bien. Ouais, celle-là, c'est une Nismo. Ah, j'avais pas vu ici, c'est en carbone aussi. Magnifique. Ouais. T'as de la fibre de carbone aussi, compartiment moteur. Tu sais que ma moto, elle est toute en fibre de carbone, faite à la main. Mais non. Les jantes aussi. Les frérots, je peux vous dire, cette vidéo-là, c'est une des plus belles vidéos que j'aurais fait sur la chaîne jusqu'à maintenant, en tout cas. Sachant que le GTR, c'est quand même une voiture que j'apprécie beaucoup. Et déjà de pouvoir en voir une en vrai comme ça, de aussi près, de pouvoir la essayer, de pouvoir voilà, voir un peu tout ce qu'il y a dedans, c'est un vrai plaisir. C'est juste incroyable. Elle est quand même relativement basse. Il y a la place pour, vous voyez, à peu près un peu plus que ma main, donc c'est quand même assez bas. Bon, c'est pas le plus bas non plus qu'on ait pu voir sur des voitures. Je crois même que l'Aston de Marco qu'on a fait l'autre fois était beaucoup plus basse. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, les frérots. Pas mal de vent aujourd'hui, les frérots. Hop. On est sur du cuir un peu à l'intérieur. Un peu de plastique. Siège recaro en cuir. Volant aussi en cuir, les frérots. Un peu avec des petites piqûres, des petits points ici. On a ainsi des bouts d'intérieur en carbone juste là. En carbone juste à côté de la boîte du pommeau. C'est quand même assez spacieux. La GTR, j'adore, c'est une voiture, on peut la conduire en daily, franchement, magnifique. Avec du coup le compte tour qui monte à 8000 tours. 8000 tours et au compteur, 340 qu'on nous affiche ici. Bon, après, elle ne doit pas pousser jusqu'à 340, mais elle ne doit pas en être très très loin, je pense. Après, elle est quand même assez pas mal d'origine, la voiture. Ah, on a même des enceintes Bose à l'arrière, les frérots, juste ici. Et je trouve qu'à l'arrière, il y a quand même assez de place. On peut quand même emmener pas mal de monde. Juste la place du milieu de l'arrière n'est pas utilisable. Il n'y a pas de place du coup. C'est une 4 places. Ah ouais, le bouton il est en dessous, d'accord. Ok. C'est le bordel. Ouais, c'est un peu le bordel, mais ça c'est pas grave. C'était juste histoire de montrer un peu la place du coffre. Quand même, il y a pas mal de place. Hein. Tu peux faire tes petites courses avec quoi. Mais elle est super spacieuse. Elle est super spacieuse. Les jantes, c'est des jantes d'origine aussi. Franchement propre. On a aussi à l'avant le petit logo GTR ici. Magnifique. J'adore le logo.
Bon, les frérots, on peut passer au test, je pense. Voilà, on va déjà la démarrer. Démarre là, nous, si tu veux bien, s'il te plaît, frérot. On va fermer le capot aussi. Petit rasso de moto là-bas. Ouais. Ça fait du petit wheeling. Bon, vas-y. Il va nous démarrer, ce bébé. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Magnifique. Est-ce que tu peux nous remettre 2-3 petits coups juste pour la vidéo, frérot? Ouais. Pour le fun. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que là, elle est un peu froide. Ouais, mais attention, elle a roulé. Là, en fait. Ouais. Incroyable. D'origine, elle pète vraiment bien fort déjà. Oh, la 6, elle est ouf. Ah, la 6, elle est confort, bâtard. J'ai mon collègue, il part un surfing avec. Ah ouais, normal. Putain. Je parle pas du plan, mais... Et ça, il fait beaucoup de bornes avec, du coup. Ouais, c'est plus celui qui est là ou c'est... Tu vois, l'été, on roule. Là, d'habitude, on la sort pas, là. Ah ouais. Ouais, si, t'en entends, quand il fait beau. Attends, c'est plus pour des mecs, les photographes qui nous appellent. Après, ça va, en plus, aujourd'hui, on a eu de la chance, quand même. Il fait assez beau. On est parti pour l'essai du GTR là. Wow. C'est un truc de dingue. Ah ouais, mais elle part direct, c'est un truc de ouf. Tu reprends, tu remets à gauche. Vas-y. Je passe par là où on vient. Ouais, voilà, exactement. Vas-y. Elle tient la route de ouf. Wow. Ah ouais, effectivement, ça patine fort. Ouais, mais je prends pas avec la pédale. Ouais, faut être gentil avec la pédale. Là, celle-là, elle développe, hein. Ah, je suis choqué, mec. Ah, c'est un truc de dingue. Ouais, excusez-moi, les frères. Vas-y, du coup, je vais où ensuite, frérot? Là, tu suis la route, tu pars sur la droite. Vas-y. Vas-y, vas-y. Essaye de me filmer un max, frérot. Ouais. Après. Tu veux. Yes. Ah, je suis choqué, mec. Ouais, dans les virages, faut éviter d'accélérer trop, en fait. Tu pars même en ligne droite, hein. Ouais, c'est une propulsion, en fait. Ouais. Ouais, putain. C'est une 4 roues motrices, en fait, mais... Ah, c'est une 4 roues motrices. Ouais, elle développe. Elle développe vraiment, vraiment très fort. Ouais, je vois ça. Je suis choqué, hein, max, là. Si, si, ouais. Là, je continue. Vas-y, tu continues. Tout droit? Non, là-bas, à gauche. Ok. Par là. Ensuite, tu prends le panneau, la première à droite, là. Voilà. Vas-y. Ouais, j'ai capté. Ah, je suis choqué comment elle développe vite. Ça marche fort. Ça marche fort, frérot, putain. Wow, la dinguerie. Non, tranquille, quoi, il n'y a pas de souci. Si, c'est en plus. C'est à 80 ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu m'emmènes où? Sur une nationale? De toute façon, là, après, t'as une nationale juste en face. Le problème, c'est qu'avec le nom qu'il y a, tu pourras pas trop t'amuser. Okay. Après, je pense qu'il vaut mieux que tu fasses une vidéo tranquille. Ouais. Ouais, en plus, là, je suis plus en train de l'apprendre à la connaître, t'as vu? J'ai pas envie d'être trop méchant. Comme tu peux le voir, en pleine nuit, t'as tout le manomètre. Question de turbo. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Moteur, si tu veux filmer. On va tout droit? Bah, tout droit. Ok. J'ai commencé à le faire un peu, mais si tu veux, je t'en fous. Ouais, tu peux me filmer ça un peu si tu veux. Toutes les pressions. C'est incroyable. Mec, elle part d'un coup. C'est un truc de ouf. Et pour avoir pu monter dans la stone, je préfère largement celle-ci. Il n'y a pas photo. Du tout, hein. Pas du tout. Le GTR, elle a un très bon confort. Ah, c'est clair. C'est clair.
Là, on a l'impression qu'elle est en sous-régime. En plus, elle est pas mal, elle est assez spacieuse en vrai à l'intérieur. Quand je pars à l'arrière, c'est un peu poussé, mais bon, après. Ouais, c'est vrai qu'à l'arrière, ouais. C'est une sportive, hein. Ouais, ouais. Une sportive, déjà, pouvoir rentrer à plein dedans, c'est incroyable, mec. Franchement, les frérots, allez vous abonner à la chaîne de FRK, vraiment, pour le remercier, déjà pour commencer, et pour lui donner de la force pour ses prochaines vidéos, les frérots. C'est très important. Il commence tout juste YouTube, allez lui donner de la force au max. La dinguerie, mon pote. Ouais, c'est un truc de ouf. Je suis choqué de la puissance, franchement. Ah, tu dois te faire plaisir au quotidien avec ça, mec. Ouais. On s'y habitue vite, mais on se fait toujours plaisir. Ouais. T'as eu quoi comme voiture à peu près, toi? Moi, j'ai pas eu beaucoup de voitures. J'ai eu une vidéo de RS il y a longtemps quand j'étais plus jeune. Après, j'ai acheté un Porsche Cayenne. Ouais. J'ai acheté des petits trucs, tu vois, moi le plus c'est derrière, c'est la moto. Ouais, je vois. Et les quads aussi, t'aimes bien? Les quads, motocross, motoboot. Ouais. J'ai eu 2-3 R1, La dernière, j'ai gardé la SP-R1, pour moi c'est la meilleure des motos, pour ma part. Ouais. Et après, je reste avec celle-là, mais ouais, pour derrière, c'est plus la moto. Mais les voitures, c'est quelque chose. Mec, j'ai à peine appuyé, je suis déjà à... C'est quoi ça? Il a kiffé. On va pas continuer, frère. On a vu qu'il en avait aussi dans le capot, sous le capot. C'est parce que c'est pas la tienne, c'est normal. Ouais, c'est ça, j'ose pas trop. Il a 300 chevaux à tout casser. Ouais, à mon avis, tu le tues. Ouais. Ouais. Après c'est pas ton véhicule, c'est normal. Ouais, ça aurait été le mien, j'aurais fait autrement. C'est ça. Imagine, même moi, hein, je te dirais pas, avoir un véhicule à moi, j'ai la SP, la développe plus de 230 chevaux, la moto. Ouais. Tu vois des mecs qui se mettent à côté de moi, je vais m'amuser à aller 2-3 secondes, je vais arrêter. La route, t'as vu, c'est dangereux quand même. Ouais, c'est dangereux. Là, c'est dangereux, faut faire très attention. Mais ouais, du coup, moi qui ai conduit quelques voitures, j'ai pu conduire même une Audi TT à 250 chevaux à peu près. Ouais. À côté, ouais, je crois que c'est de la piste de chat à côté, ouais. Franchement. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah ouais, clairement. Mais elle fait combien en termes de poids celle-ci? Elle est lourde? Je sais pas du tout. Vraiment, je me suis jamais posé là-dessus. Mais... Ça doit être du 1 tonne 8, un truc ouais, comme ça, ouais. Franchement, elle est agressive, elle est démoniaque. C'est une dinguerie. Quand je vais prendre le BM après, je vais avoir l'impression qu'il avance pas. Si à côté, je prends 208. Ah ouais, bah, tu dois sentir vraiment la différence. Ah ouais, du c'est une R en plus. Ouais, là elle doit développer 265 je crois d'origine et sirocco R comme ça. Elle est peut-être préparée sa voiture. Elle doit faire 350 je pense. Quelle sortie frérot? Là tu vas à gauche, tu le suis. Fais gaffe parce que ça pousse. Ouais, c'est pour ça que j'accélère pas trop. Ça dégage. Bah quand j'ai vu tout à l'heure comment elle est partie, j'accélère pas trop. Ouais, ça surprend. Ah, la sienne elle fait des paix, des petits paix. Tu vois le 3008 là à gauche là-bas? Ouais, je le suis. Ok, vas-y. Ouais, dans les ronds-points, faut faire vraiment attention. Sur la ligne droite, hein. Faut être gentil. T'accélères un peu trop vite, elle chasse les pneus. Mais non, sérieux? Là, c'est du semi-slick en fait, donc comme ils sont un peu usés. Ouais, ils sont tout lisses un peu. Ouais. Là, elle est partie au garage. Franchement, c'est un véhicule, si un jour je peux me le prendre, je me prends un truc comme ça. Elle est ouf. Elle fait des retours parfois ou pas? Ouais. Ah ouais. C'est une folie. T'as déjà essayé aux palettes toi? De la conduire aux palettes celle-ci? De la conduire aux palettes. Ah ouais? Toujours aux palettes. C'est mieux du coup? C'est ma habitude pour moi. Ouais. C'est fou. Mec, t'as refait toute ma vie. Ça me fait plaisir.
on décolle, c'est un TGV le truc. Mon Dieu. Un des meilleurs tournages, enfin c'est le meilleur en fait, c'est le meilleur. Meilleur tournage que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup, mais jusque là c'est sûr que c'est le meilleur. Ouais, j'essaierai de te ramener un autre truc. Ah, tu m'as dit quoi, le Urus? Ouais, je pense que dans pas longtemps je vais ramener l'Urus, je pense. Ok, attends. Si vous voulez les frérots, le Urus, 500 pouces bleus au moins sur la vidéo. Et allez vous abonner en masse à FRK. Ouais, ouais. Aussi. À FRK, ah bah si, oui, vous voulez, voilà, si vous voulez qu'ils reviennent sur ma chaîne pour d'autres vidéos voitures, encore peut-être plus folles que celle-ci, ou aussi folles, allez vous abonner à sa chaîne les frérots. Et 500 pouces bleus sur la vidéo. Parce que c'est quand même, les gars, une des meilleures vidéos de la chaîne. Vraiment. Toutes vidéos confondues depuis le début, c'est vraiment une des meilleures. Elle est en top classement. Là. Cette accélération, franchement, elle est ouf. Mais sans clignotant, je comprends pas les gens qui font ça. C'est dans le 60. T'inquiète, à Paname, il y en a aussi des gens comme ça. Quelle dinguerie. Bon, on va pas trop. On va être gentil aujourd'hui parce que. On va avoir un petit plaisir. Voilà. C'est ça. On n'a pas envie de finir au poste ou avec un permis enlevé. Ça serait dommage. Frérot, on passe par où du là, coup? Tu suis, tu vas tout droit là. Ouais. Vas-y. Dans le panneau, il y a marqué le maillot d'arrêt. A26. Tu prends celui-là aussi. Vas-y, vas-y. Let's go. Après, tu vas te mettre sur la droite là-bas. Vas-y. Oh là là, elle a fait un beau bruit. Putain. T'as bien commencé, franchement propre. Du coup, je sais plus si j'ai vu regarder. Merci. T'as réussi à mettre la miniature du coup? Oui, j'ai réussi à mettre une miniature qu'ils m'ont proposé. Et je sais que je peux l'importer, ouais. Mais je sais toujours pas faire une miniature. Ouais, je pourrais t'apprendre si tu veux. Voilà, tu me dis en vite fait en vas-y. Ou... juste gauche ou droite, frérot? À gauche. Excuse-moi. Ah non, je parle. Attention, parce qu'ici, ils arrivent comme des dingues. Ouais. Bien à gauche, bien à droite. Parce qu'ici, ils arrivent un peu comme des fous, ici. Ouais. Ah mais dinguerie, on se scotche au siège quand on accélère, c'est fou. Elle a mis des claques là. Elle met des claques de dard. Ah c'est ouf. Tu sais, c'est la première fois que je mets derrière. Bah ouais. Je m'étonne. De base je voulais te faire monter devant mais vu qu'il veut me filmer. Non, je préfère qu'il tienne la caméra, elle a l'habitude. Mais d'ailleurs si un jour t'as besoin même pour toi un site web ou quelque chose pour rendre tes potes, n'hésite pas. Bah là j'ai créé ma propre marque de parfum. Regarde, ma parfum est là. C'est ma propre marque de parfum. Fait ma propre truc là, je suis en train de faire une micro-entreprise parce que c'est ça rien que j'ouvre une SARL et faire une auto-entrepreneur. Je vais faire un site web pour le temps. Ouais, c'est bien pris, c'est pas la claque là, de daron. Ah, c'est un truc de malade cette voiture, c'est de la folie. Il est tard, ton parfum en plus. Voilà. J'ai et du coup, je te la mets en P. Mais là, voilà. P et ton frame. Yes, nice. Eh bah, franchement, la dinguerie, mec, merci beaucoup. Mais merci à toi. Ça fait vraiment plaisir, mec. Ça fait plaisir, ça fait plaisir aux autres. Et si on se trouve pareil, le monde. C'est vrai qu'on n'a pas montré aussi là, le petit logo GTR au niveau de la fermeture de porte. Elle est vraiment incroyable. Incroyable cette voiture. Vidéo de fou. Bon voilà les frérots, la vidéo elle est finie. Merci beaucoup à toi FRK. Merci à toi. Ça fait plaisir frérot. Ça fait plaisir de te faire plaisir. C'est cool, au moins tu fais plaisir aux abos en plus. Et voilà, les frérots, allez vous abonner vraiment à sa chaîne. Je force un petit peu mais allez vraiment lui donner de la force. Ouais. Ça ferait plaisir. Il a vraiment envie de me donner de la force. Vraiment comme beaucoup. Je lui donner de la force. Et grave. Même s'il n'en a pas trop besoin. Voilà. Mais en tout cas, mais cette voiture, c'est une folie. Je vous la remonte une dernière fois, même avec les reflets du soleil et tout. La couleur que vous avez fait est parfaite. Ouais, la couleur est belle. Ouais. Elle est juste parfaite. Exactement. Tu comptes faire des motifs en plus dessus ou pas du tout? Non, là, il va juste y avoir. Je sais pas, je crois que c'est le dump pipe là. Ouais. Il y avoir un modèle au-dessus, je pense. Au début, il devait y avoir une reprogrammation, mais. Ah, pas peut-être, hein? Dès qu'on sera une partie 2, hein, comme on dit. Pourquoi pas une partie 2? Avec plaisir, frérot.
Voilà les frérots, moi sur ce, je vais laisser sur la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, allez, ciao tout le monde, bye.